Ah, c'est quoi ça? Bricolage. Voyons voir si on peut résoudre ce truc. Ah. Attends, ramasser. Marrant ça. J'imagine que selon l'équipe que tu te trimbales, il y a des trucs comme ça où on va pouvoir débloquer des accès, d'autres trucs. Quelle vue. Donc il va falloir choisir les bons, potentiellement revenir. Et un bout de... Ça flottait sûrement pas à l'époque. Ouvrir. Bien, ok. Ressources. Il y a encore un truc là. Hop, minerai pur, ok. Ok, ok. Bon, moi c'est là-haut. Allons-y. On peut défoncer un piafou là. Ah, dommage. C'est pas très réaliste. C'est quoi ça? Ah, tu vas pas me dire que leur design n'est pas copié sur les veilleurs de Horizon. Là, c'est flagrant. C'est flagrant que ce sont les veilleurs de Horizon avec un espèce de thème floral. Waouh. Bon, on va dire que c'est un hommage. Hein. Mais oh putain, c'est quoi ça? C'était joli ça. Et t'es archi tout pareil. C'est vrai qu'il y a un petit côté. Autant j'ai fait un chauve avec les cheveux bleus, mais on aurait pu faire une rockmote, hein. Ça aurait été. Le mec qui a envie de se faire chier, il peut recréer le personnage, hein, en vrai. Le jeu le permet. Coucou. Coucou. Harling. Elle a besoin de pratiquer ses nouvelles capacités hors du commun et se dirige vers la forêt d'Arlatan pour un entraînement plus que nécessaire. Bah, let's go. Ce sera parfait. C'est un endroit ouvert, plein de rochers et loin des gens. Je veux rien tenter quelque part où je pourrais blesser quelqu'un. Tu penses que tu pourrais blesser quelqu'un? Sans le faire exprès, bien sûr. Si je peux maîtriser ma magie, je pourrais te convaincre que c'est pas une mauvaise chose. C'est parti. Bah, tu peux me blesser moi, hein. Les nouvelles capacités sont un peu inquiétantes, mais je suis sûr qu'elles vont nous servir. Tu pourrais les utiliser pour atteindre des endroits hors d'atteinte. Ce genre de truc. Bonne idée. Je devrais essayer. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, d'accord, on est de l'autre côté. Ok. Allez. Allez, Harry, fais de la magie. Je vais le déplacer. Oh, c'est très gênant. Elle est plus de pile. Utilise des mots. Tu veux un peu d'intimité? Essaie encore. Un peu d'intimité, peut-être. Qu'est-ce que tu fais planté là? Tu veux que je me retourne? Que je vous laisse un peu d'intimité? Oh. Pourtant, elle a pas les bonnes piles. Quand on combattait les engeances. On était en danger. Ça t'a peut-être aidé. Il faudrait un signal. Un déclencheur émotionnel. Un petit bisou. Tu protèges quelqu'un, détends-toi et amuse-toi. Vas-y. Tu réfléchis trop, je pense. Concentre-toi sur ce que tu ressens. Amuse-toi. Si ça te fait du bien, vas-y. Ce qui fait du bien. D'accord. Le lien. La joie. Le plaisir. Tu sais, avant, on allait parfois au bord du lac Kalenhad l'été. Avec mes amis, on ramassait des cailloux pour le concours du meilleur château de pierre. Aujourd'hui, c'est moi qui gagnerai, c'est sûr. Après, il se baignait tout nu dans l'eau. Oh. Ça a marché. Ça a marché. C'était une super idée, Rook. Mm-hmm. C'est bon de te voir heureuse. C'était toi, de rien, je crois. Tu peux le refaire? Vas-y. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu si heureuse, Harding. Ah, c'est vrai.
Ah, la vie. Mais parlons d'autre chose. Je veux juste profiter de l'instant. J'ai l'impression que ta présence m'apaise. Je trouve ça presque dommage qu'il t'indique le symbole qui correspond aux amourettes. Ça aurait été plus intéressant de devoir chercher, de réfléchir au bon dialogue pour atteindre le bisou, quoi. Là, bon, bah oui, tu spams systématiquement la ligne qui correspond et c'est ok. Tes cheveux sont magnifiques. On fera ça plus souvent. Je doute que ça soit moi. Ah. Tes cheveux sont éclatants au soleil. Ah putain, la drague de lourd. Ils sont juste vraiment gelés. Oh, merci. Tu rougis ? Non, enfin... oui, essaie de déplacer des rochers avec l'esprit, tu verras. Bon, il faut que je m'entraîne encore un peu, non ? J'y retourne. Putain, c'est d'une gênance. Ça se passe pas comme ça, normalement. Je me demande ce qu'il y a là-haut. Tu crois que tu pourrais nous trouver un chemin ? Peut-être. Je vais regarder. Il est là, le chemin. Tu pourrais déplacer ça là-haut. Pour puisse grimper. C'est parti. Ok. Ouais, donc on peut l'utiliser à... Allons chercher un autre rocher sur lequel tu pourras... À répétition. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est comment ça s'utilise en combat. Notre voix, un refrain. Quoi ? Je sais pas, j'ai parlé tout haut, c'est ça ? C'est juste venu comme ça ? Elle est possédée. Elle est plus en pleine possession de ses propres moyens. On va pas avoir deux mecs possédés avec des démons intérieurs et les machins quand même. Tu crois que tu pourrais nous créer un chemin ? Ah ! Je m'en charge. Regarde-moi ça. Tu t'améliores ? Pratique. Tu veux essayer avec un autre ? Pourquoi pas ? Entendu. Et voilà. L'entraînement porte ses fruits, hein ? Je suis peut-être prête pour un défi plus difficile. Il y a tant de rochers. Et leurs sensations sont toutes différentes. Celui-ci, c'est du granit. Celui-là, de l'ardoise. Ça, je crois que ça pourrait être du quartz. Je me demande si la composition de la roche a une influence sur ma magie. Mmh. Désolée, je réfléchis. J'y sais tout haut. Reprenons. L'entraînement, je veux dire. La magie des pierres. Bon, bah allons-y. Hop. Je m'en occupe. Plaît. En tout cas, tu commences à contrôler tes capacités. C'est bon signe. Je sais que ça te faisait un peu peur, mais je pense vraiment que ça va aller. Ah, une nouvelle armure pour Harding. Équipement de spéléologue. Le dégât des capacités ne change pas. Par contre, la fissure augmente. Ah, vas-y. Oh, quoi ? C'était quoi ? Quelqu'un a des ennuis. Ouais, elle a peut-être eu peur de son ombre. Il y a un mec dans le coin, allons voir. Par ici, Harding. Pas de temps à perdre. Hop les. Au secours, quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Quelqu'un a des ennuis, faut aller voir. Qu'est-ce qu'il a foutu le couillon ? Comment t'as fait pour venir toi si t'avais pas la magie des pierres ? Je peux pas bouger. Quoi ? Tenez bon. Mais où est-il ? C'est là-haut ? J'ai l'impression qu'il est là-haut. C'est un piège. C'est un piège à con et on est en train de tomber dedans à pied joint, quoi. Il y a encore une échelle là-haut. Et si tu déplaçais ce rocher ? Il est... Ah ! De nouvelles mécaniques.
La mécanique des rochers qui se cassent. Aïe aïe. D'ici on peut pas arriver là-haut. Regardons aux alentours. On peut pas y aller là ? Voilà. Il est là, vite. Ah, le couillon. Il est là, le couillon. Tout va bien. Par le créateur, j'ai cru que j'allais mourir. Alors, est-ce que ça va? Pas avec Harling dans le coin. Ouh, vous avez de la chance. Ouais, on va aller, voilà. Hop. Vous avez de la chance. Beaucoup de chance. Les rochers, comment vous avez fait ça? Je... Oh oh. Harding. Vous entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur, je sens ta présence. Oh. Touché par les anciens, comme je l'ai été. Trouve-moi. Tourne-toi vers les plus proches de la pierre et trouve-moi. Harding? Qu'est-ce qu'il y a? T'entends quoi? Désolé. Mettons notre ami en sécurité. On parlera après. Allez. Intrigant. Intrigant, cet oracle. Mais bon, c'est sûr qu'elle allait pas juste avoir des pouvoirs comme ça, sans contrepartie, sans conséquence. Après avoir exercé ses nouveaux dons dans la forêt d'Arlatan, Harding a appris à les utiliser de manière fiable. Cependant, au cours de son excursion, une mystérieuse voix, qu'elle seule pouvait entendre, lui a soufflé de se tourner vers les plus proches de la pierre afin de trouver les réponses qu'elle attend. On prend plein d'XP et secret souvenir. On chope un nouvel objet, un mémento. Plus de soins, plus de dégâts critiques. Les coups critiques contre les ennemis et les adversaires subissant saignement ajoutent un cumul de saignement. Ok. Bah, foi, pourquoi pas. C'est toujours bon à prendre. Et on est passé niveau 10 et Cible droit devant. Quoi? Où ça? Oh, c'est quoi cette horreur? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais ils sont affreusement moches. Ah, des espèces de raptors avec des bouches de sangsues. C'est immonde. Tuez-moi ces saloperies. Quel enfer. Ok, on les a eus. Tiens, il y a un truc là-dedans, c'est quoi? C'est où? C'est derrière? Ah yes. Hein? Je ne peux pas bouger. Pourquoi est-ce que je peux pas bouger? Je sens pas mes jambes. Un esprit. Pas des jambes. Ma peau semblable à de l'écorce. Des échardes dans les veines. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Prendre la hache. Peut-être. En cage. Peuvent pas sortir. Ça fait mal. Il fait sombre. Pitié. Ils savaient pas quoi faire. Ils voulaient pas mourir. Arrêtez les pensées. Arrêtez les peurs. Silence, par pitié. Silence. L'esprit est très contrarié. S'il reste comme ça, il pourrait se transformer. Se transformer en démon, je veux dire. Est-ce que cet esprit pourrait ressentir l'agonie des Dalassiens qui ont récemment péri dans la forêt? Il faut les aider. Il faut m'aider. Mmh. J'ai réparé le miroir. Je l'ai réparé. Pourquoi est-ce qu'il continue de tout détruire? Arrêtez. D'accord.
Une mission annexe, somme toute. Attends, je peux... Ok, d'accord. Oui, bon, parce que je disais tout à l'heure, finalement, que selon la composition de ton équipe, t'avais des accès, des choses comme ça, auxquelles t'avais... Tu pouvais débloquer selon les membres de ton équipe. Bah, en fait, on s'en fout. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir le coéquipier en question dans l'équipe. Grâce à la dague. D'accord. Ça simplifie les choses quelque part, plutôt que de devoir faire des milliards d'allers-retours pour aller chercher le bon mec, un feu de camp, presque, j'ai envie de dire. C'est plus simple comme ça. Culture de cochard. C'est juste pour ça? Ok. Ça permet d'avoir une petite vue de... vue d'en haut. Ok, bah cassons-nous. Ok. Par contre, après, ce qui doit avoir une importance, c'est au niveau de la section des personnages, c'est pour faire avancer leur mission. Alors après, est-ce que, comme dans Mass Effect, selon les personnages que tu as dans ton équipe et que tu choisissais de jouer, parce qu'on dans Mass Effect, on pouvait choisir, changer de personnage en cours de route. Dans le groupe, là, genre, je pouvais switcher entre les trois personnages et selon les caractères, les affinités, les trucs comme ça, ça pouvait générer des dialogues différents avec les PNJ. Donc là, à voir si c'est le même esprit ou pas. Est-ce qu'ils ont chacun des intérêts personnels ou pas? Ça ferait un bon piège. On va voir. La cible ne verrait rien venir. La forêt est en train de se métamorphoser. Maintenant, même les plantes peuvent nous tuer. Sur le principe, c'est pas ce que ça laisse sous-entendre, mais bon. Dans les faits, à voir. Bah, c'est par là. Je vais aller. Ok. Ah, il y a encore les raptors moches, là. Avec leur gueule de sangsue. Ah putain, ils chargent sous terre. C'est des taupes en plus. Heureusement, ils sont pas très forts. Tête de loup. Hop. Tu en as d'autres. Quoi, ça tremble? Oh là! Ah oui, d'accord! Allez, je suis deux pierres et tout. Ah oui. C'est une zone relativement dangereuse. Et merde. Je pensais que ça passerait, mais pas du tout. Le bâtiment sans nom. On a débloqué un voyage rapide au bâtiment sans nom, alors... Donc ils me disent d'aller par là. Y'a quoi par là? Du matos. Tiens, c'est quoi ça? Ah, donc là, je pourrais modifier l'équipe. Récolter. Le danger de demain. Une carte prédictive. À l'opposé du concept d'une cartographie physique, mais essentielle à la survie des mandataires du voile. Toujours savoir en quels endroits tu ne sais pas où est le danger. Et la grenouille de poche... Ouais, bon, c'était le truc de... On avait acheté tout à l'heure au marchand. C'était considéré comme un cadeau. Ok. Bah écoute. Why not? Ouvrir. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc à gauche là-bas? J'ai l'impression que... Ah, ouais, et encore une... Encore une statue? Il doit y avoir un elfe qui aime vraiment les chouettes.
Regardez ça. Ah, c'était ça, il devait imiter le hibou. Nice, utilisé. Les ennuis arrivent. Il y a les bad guys en bas là. Oh merde. Ah, mais il crache en plus, ces saloperies. Vas-y, on peut se faire chier. Paf. Allez, le combo qui est parti. Let's go. Bon, quand ils sont tout seuls, ça va quoi. Ça se passe plutôt bien. Ah, il tank en vrai, ce con là. Ah, il tank de ouf, les mecs. Ah, ça y est. Boum. Ah, un petit coup encore. Ouais. Ok, nice. Ah, on a l'air d'être dans une zone quand même relativement plus ouverte. Aïe aïe aïe. Faut que je me soigne. Oh merde! Oh putain, il y a un truc qui m'a mis une max là. Ah mais c'est l'espèce de clébard là. Le raptor plante. Allez hop. Allez combo. Combo moi ça. Et ça dégage les deux. Ah ils tankent hein, ceux-là hein. Putain. Ils ont pas envie de crever. Oh raptor. Let's go. Ok donc c'est là où il y a des souvenirs à récupérer. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais non, pourquoi il est retourné dedans? Ah le con. Ah mais ils sont deux, ah merde. Aïe aïe aïe. Combo, oui le combo est parti. Boum. Je sais pas si je peux les counter ceux-là. Ils ont l'air de faire des gros coups, je veux dire. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas? Vas-y, on va y aller à grand coup de flèche. Ah mais ils en ont après moi en plus. Ils en ont après moi. Aïe. Hop. Oh putain, waouh. Ah bah on essaye madame. Je crève, c'est bon. C'est vraiment pas passé loin. Vas-y, soigne-moi s'il te plaît. Merci beaucoup. Et du coup, je peux récupérer ce merdier ou...
J'ai trouvé le moyen de me faire exploser. Bravo, champion. Un brin d'herbe dorée. Ah! J'ai amélioré une arme. C'est bien mieux. Ah, c'est quoi? Le prix de l'harmonie. Une strophe de l'art latin de jadis tissée. Nous avons psalmodié les protections du cœur et invité à rejoindre notre chant. Mais une fois atteinte, l'harmonie a un prix éternel. Ok. On a tout. Quelle espèce de symbole là. C'est quoi ça? Là-bas, un éluvienne cassé. Pas déchiré. Le miroir ne montre aucun reflet, juste un brouillard sombre. Peut-être que la magie révélera quelque chose. Les autres me pressent d'essayer. Les créatures de l'ombre portent les visages des membres de mon clan, des yeux vides et fixes. Ils ne disent rien. J'ai oublié jusqu'à leur nom. C'est moi qui ai fait ça. J'ai laissé le miroir me les corrompre. C'est de ma faute. Il n'a pas pu l'empêcher de tout corrompre. Lui compris. Oh, j'aime pas cet éluvienne. Il a quelque chose de maléfique. S'il n'était pas déjà cassé, je m'en chargerais. Ok. Il y a un truc là. Extrait du journal d'Hyroline. La forêt va mal. Pire que ça, ce sont les animaux qui vont mal. Les halles ont peur. Ils semblent être partis se cacher ailleurs. On voit beaucoup moins maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais les chouettes se regroupent. Alors qu'elles ne le faisaient jamais. Normalement, ce sont les oiseaux solitaires. Même les insectes sont silencieux. Je suis content de ne plus voir les moustiques, mais ça n'est pas normal. Il ne manque jamais une occasion de nous pourrir la vie. Puis nos équipes de reconnaissance se sont mises à évoquer d'étranges créatures dans les bois. Des créatures inconnues de la région. La seule chose que l'on sait sur elles, c'est qu'elles ne sont pas naturelles. Cela signifie que les animaux de la forêt sont en danger. L'ensemble des êtres vivants de la forêt est en état de siège. Il faut trouver un moyen de lutter contre ça. Mais du coup, c'est quoi ce symbole? Est-ce que je peux voir à la map? Ce que c'est? Hôtel des Évanouis. Allô? Ah putain, mais je suis aveugle, ok. Autant pour moi. Alors, à quoi ça sert? On peut interagir. La dague. Ah! Espèce de carillon. Il en reste ou... Ah oui, là. C'est bon. Et on a 100 points de santé supplémentaires. Ok, d'accord. Donc oui, c'est des bonus de... Des bonus permanents. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des chutes de pierres. Ah oui, c'était là qu'il y avait des pierres, là. Qui me tombaient sur la gueule. Ah, les pauvres cerfs qui se l'ont mangé. Pas cool. Not cool at all. Alors, il est où le souvenir? Normalement, il est dans le cercle. Et oui, on est revenu là. Alors, il est où? C'est dans l'arbre, peut-être? Autour. Voilà qui est étonnant. Qu'est-ce que c'est? Ah là! Une statuette de Hal.
Ah merde, il y a un mec en dessous. En la serrant dans sa main. Et tous ces cadavres de Hal. L'esprit a bien dit un truc sur les Hal, non? Gil'Anan était révérée en tant que mère des Hal. Elle a le Hal pour symbole. Enfin, avait. En suivant les Hal, ces gens se sont perdus. Et puis... Aïe. Ah, il y a un coffre là-haut. Bravo, Bellara. Merci. Il y a un coffre là-haut. Comment j'y vais? Ah, là, peut-être. L'ennemi est proche. Oh putain, il y a du monde là. Je crois bien que c'est parti. Je m'en occupe. Juste une minute. Faut que j'attende. Qu'est-ce que c'est que cette zone verte là? Oh merde, merde! Ok, ça dégage. Il prend rien comme dégâts, quoi, c'est terrible! Merde, ouais, faut que je fasse un. Un contre, je pense, pour vraiment les déboîter. Ah putain. Boum. Faudrait que je leur mette un full combo là au gars là. Un combo de fissure. Tiens, mange. Putain, elle l'a pas fait sur le bon. J'y crois. Mais putain, mais c'est pas tranquille. Il me... Hein? L'espèce de sorcier, là. Oh putain. Oh le bordel. Ils font mal, hein, les cons. Ah le con, je suis retourné en plus. Ça va, Rook? Bon, vas-y, hop. On a l'ulti, autant le claquer. On va gagner du temps. Boum, ça dégage. Ok, cool. Bon. C'est un peu chaotique, mais ça passe. Pas des rochers qui tombent. Merde, c'est vrai. Faut pas aller dans l'eau. C'est un piège. Du coup, c'est ça le souvenir. Je peux pas interagir avec. Faut pas rester là. Il y a des connards. Peut-être là-bas, non? Ah mais il me considère en combat, non? Ah! C'est complètement brûlé. Les flammes devaient être impressionnantes. Cette relique carbonisée. L'aubaine du magistère. Ok. Bon, celle que j'ai est meilleure, mais... L'esprit aurait pu sentir ce qui s'est passé ici. Oh, je suis vraiment tombé dans l'eau. Putain. Il y avait un trou de 10 cm. Et je recommence en plus, mais quel connard. Putain. J'ai failli le refaire. Hein. Ok, les connards là. Merde, j'ai fait le soin, quel connard. On va aller péter le petit raptor là.
Boum. Bon merde lui. Les rues de Riverine. Ah oui. Une nouvelle zone. Vas-y bouffe. Oh le con. J'ai le sale réflexe des fois de faire les skis mais de retourner dedans. Bêtement. Ok c'est bon on l'a eu. Hop. C'est bon? Vas-y go. Donc, ah si c'est bon. Il fallait juste buter les mecs autour. Oh merde, c'est une blague. Aveugle. Il est pas apparu le coffre. Je me suis fait arnaquer. Vraiment. Ah oh, putain, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait ça comme map. Oh putain. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, il y a dernière ligne de. Une zone relativement remplie. Cristal là. Bon, tant pis pour le coffre. Merde. Ok. Y'a quoi là-dedans? Ah oh bah tiens, y'a des mecs. Y'a des corps. Note soigneusement pliée, la tempête approchait, le désespoir nous accablait. Ce n'était qu'une grotte, petite mais confortable. Tout le monde s'était endormi autour du feu. À notre réveil, l'entrée avait disparu. C'était peut-être l'obscurité qui nous jouait des tours, mais la roche semblait se déplacer à chaque respiration et se refermer à chaque inspiration. La peur me ronge. Si vous trouvez cette lettre, sortez d'ici tant que vous le pouvez. Rina, je t'aime, souviens-toi de moi. Ces gens ont cherché refuge ici, mais c'était sans issue. Ils sont restés coincés. L'esprit a sûrement aussi ressenti la peur. Ah. Encore un. Et on prend encore plus de soins de vie. On aura bien boosté les stats de point de vue, mine de rien, avec cette histoire. On va les boire. Y'a un truc à faire en face. Ah putain, une chouette! Encore une chouette? Faut dégager! Oh merde, ça a pété! Non, ça tombe! Regardez ça! Vraiment, il m'a juste filé 20 pièces. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? D'accord. Bon, c'était pas le hibou le plus intéressant, du coup. Qu'est-ce que c'est? Ok. Compris. Ah, y'a un coffre. Il faut que j'aille là-haut. Il pète le mur, ouais. C'est parti. Ah, y'a des mecs. Merci, Lucalis.
Boum boum boum. À gauche, attention. Oh bâtard. Et où? Where is that bitch? Ah bah terre. Allez dégage. C'est just mais ça passe. Ah, on a retrouvé le morceau. Le petit morceau. Et on a vu qu'il y avait un petit coffre au bout. Avec la, la bouboule rouge. Hop. C'est comme si c'était fait. Une grosse... Non mais... Oui. J'ai cru que je l'avais pas eu. Hein. Très bien, le petit coffre pour un cristal de calibration. Une charge de résurrection? Vraiment? Incroyable. Alors du coup, on peut passer par là maintenant? Oui. Ah. Le gros coffre. Nice. Oh, amélioration de mon manteau de dueliste. Qui passe de blanc à vert. Plus 4 maximum de flèches. Ah oui. Oui, putain, ouais, ça fait beaucoup du coup là. 12 flèches, on risque pas de manquer. Pas mal. Ben, ça valait le coup de venir. Et cassons-nous. Cassons-nous de là. Et le dernier souvenir qui a l'air là. Bah tiens, là. Non, ça c'est du bois. Il y a quelque chose qui va là. Avec ces statues. C'est pas de la... Journal taché de sang. J'ai rêvé que la terre venait m'engloutir. Les autres disent avoir fait le même rêve. L'archiviste ne peut pas arrêter la transformation. Je ne peux plus bouger ou sentir mes pieds. Elle m'a donné des prières à réciter, de la magie à tisser, à rien y faire. On a toujours entendu parler de personnes transformées en plantes ou en objets. Mais c'est devenu plus fréquent. On a vu d'autres cadavres comme celui-ci tout à l'heure. Ça doit se produire partout. Et l'esprit a dû le sentir. Tant de morts. De personnes abandonnées. Je me demande comment honorer leur mémoire. Retournons voir l'esprit. On pourra peut-être apaiser un peu sa détresse. Et du coup, on revient là. Merde. Un hôtel de Fenarel. Ah. Il faut pas se jeter dans le vide. Oh merde, non c'est bon. Ah oui, non mais d'accord, c'est parce qu'il est derrière. Ok. J'imagine que plus tard on aura moyen d'ouvrir ces trucs là. Mais pour le moment, c'est pas clair. Hop. Thank you.
il y a un coffre. Ah oui, le coffre là-haut. On n'avait pas récupéré. On n'avait pas trouvé comment y accéder. Là, il y a une échelle, mais cela ne nous en dit pas beaucoup. Ah bah tiens, Bailly, c'est là. C'est pas... Ah bah, oh là, mais putain, attends, on va d'abord, on va éviter de se perdre. Encore une chouette. On n'a pas tout vu encore, visiblement. Quoi? Ah! Ok, c'était ça. Regardez ça. Un coffre. Des saucisses fumées! Ah! On a droppé les saucisses. C'est bon ça. Silence de mort amélioré en vert. Ah, c'est bien ça. Les stuffs qui s'améliorent et tout. Ça part dormir. Bah merci beaucoup. Bonne nuit à toi également et à bientôt. De toute façon, je vais m'arrêter là, je pense. Je vais aller voir l'esprit là et on va se laisser là-dessus. Alors, j'avais tort, ces statues de chouettes sont dangereuses, je pense qu'elles ont été piégées par une force maléfique. Le noble but qu'elles servaient autrefois était détourné afin de capturer les explorateurs téméraires dans mon genre. Méfiez-vous! Ok. Tous ces aqueducs, les anciens elfes savaient réaliser de grandes constructions. Voyons voir si on peut résoudre ce truc. Mmh. Une curiosité fredonnante. Première instance de dégâts d'extruction infligés plus 200%. Wow. Mais attends, parce que si je descends... Bon, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher le merdier là-bas. Je sais pas si je peux le récupérer de si loin. Ça me paraît loin. Hein. On va essayer, mais j'en doute. Je pense pas qu'on puisse se barrer avec... Ah, quoique. Ah si, il a l'air de me suivre. Ok. Ah, je peux pas sauter? Ah, mal. Ah, mais alors, peut-être que je peux faire le tour. Je sais pas dans quelle mesure je peux faire le tour et grimper. Ou alors on est trop loin du truc. Je sais pas. Ah, il disparaît, ouais. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va aller. On y reviendra plus tard. On va aller voir l'esprit et. Et ça ira bien. Les trucs qui se fracassent. Oh putain, il est affreux ce lapin. Aucune. J'ai retrouvé ces personnes. Tu n'as plus besoin de ressentir tout ça. Tant de peur devant les ténèbres. Fais la terre. Fais-la partir. Je comprends pas, là. Je crois qu'on doit rassurer l'esprit. Peut-être en faisant un geste pour marquer notre respect. Ah, là-haut. Ok, donc finalement, ouais, ce passage, c'était pas juste pour le... Pour un petit coffre à la con, quoi. C'est parti. Vous connaissiez le combat, l'exploration, la science, l'amitié, la famille, l'amour. Nous nous souviendrons de vos vies, pas de votre mort.
Partez en paix. Reposez pour l'éternité. Un moment de douleur n'efface pas toute une vie d'espoir. Merci. Allez. Eh ben c'est cool. On a amélioré nos liens avec nos personnages.